C'est seulement lorsque j'ai poussé les portes du département que tout commença. La vie s'agenouillait à mes pieds et je me sentais enfin vivre. Je me rendais compte peu à peu que le monde Infocom était à la fois déjanté et enivrant. Et cette ivresse s'articulait doucement autour d'un emploi du temps dont j'allais être la principale dépendance. Eh merde, je pensais des bâtiments qu'ils étaient lugubres et fades, mais ce jugement s'effaça de mon esprit lorsque je vis les créatures plaisantes qui y vivaient. Ah, l'immaculé bizutage. Le brouhaha de l'amphi m'explose les tympans, mais j'aime ça. L'ambiance est à l'heure psychédélique. Je ne sais pourquoi, mais mes premiers amis des UIT m'attirèrent sur la surface poisseuse d'un comptoir du maquis. Je buvais la pureté de la vodka tout comme mes amis buvaient mes conneries effrénées que je déversais tonne par tonne. Ma chambre est de la même taille qu'une cellule délabrée de frêne. Alors, je profite de mon errance plutôt que de faire mes fichus devoirs. Et hop, mes retards exacerbés s'accumulent et l'arrivée des partiels sonne peu à peu les cloches de mon anxiété. Et ça y est, je sens la routine des études qui s'installe et qui dévore mon temps de liberté autour des pauses clopes et des cafés. C'est la routine. C'est la routine. C'est la routine. C'est la routine. Dans la caboche, une patate dans la face, un coup de poing dans le bide, un coup de canif dans le rein, un coup de genou sur les roubignoles. Tout ça n'est rien comparé à l'échec scolaire. Je suis mon résultat de mes deux années laxistes poussées à l'extrême. Schnouf, thésaurus, baise, strat de com, tease, concurrence, bédo, PAO, extase, veille, vodka, c'est mieux, gueule de bois, marketing, arraché, brainstorming, égarement, cible, vertige, message, déboussolement, média. Overdose.